Edgewater. Les monstres existent. Quand j'étais enfant, ma mère a été assassinée par un lâche nommé Gangplank. Il m'a tiré dessus et m'a laissée pour morte. Il n'y eut aucun procès. À Bilgewater, la loi, c'était lui. Je l'ai chassé. J'ai tué ses hommes. J'ai regardé Gangplank mourir, emporté par la marée rougeoyante. Mais les monstres n'ont pas disparu. Des siècles durant, les bourreaux ont protégé ces îles contre les pires spécimens. Mais même eux craignent l'ennemi de l'horreur. Ces attaques qui prennent la forme d'une brume noire, perpétrée par les morts vivants des îles obscures. À chaque attaque, les nuits de l'horreur se renforcent et les bourreaux deviennent distants. Pourrons-nous nous reposer sur les prières et la magie encore longtemps? Mes monstres sont faits de chair et de sang. Ils ne m'effraient pas. Il n'y a qu'une chose qui m'effraie. Devenir l'un d'entre eux. Tout semble si calme, vu d'ici. Si seulement. Bonjour, capitaine. Votre invité est arrivé. Rafen, te souviens-tu du bon vieux temps? On pouvait piller ce qu'on voulait et naviguer où on désirait. Regarde-nous maintenant, à prendre des rendez-vous, à jouer les diplomates. Au moins, nous pouvons toujours utiliser nos armes. Peut-être bien, mais quand il était roi des pillards, Gangplank réglait tout par la poudre. Si j'unis les gangs... Oh, je suis les gangs de... Il ne me... Parfois... Va. Thank you.
Je pensais que ta mort me libérerait. J'avais tort. Capitaine ? Les balles sont toujours en moi. Tuer Gangplank n'a pas suffi, Raffen. Mais tu l'as vaincu. Tu vis, et lui repose au fond de l'océan. Ces balles ne sont qu'un petit rappel de tes épreuves. Elle me la rappelle un peu trop. Je vois que vous avez refait la déco. Cet endroit avait besoin d'une touche féminine. Je ne pense pas que l'ancien propriétaire s'y opposera. Il ne risque pas, vu comment vous l'avez abattu, lui, et le reste du conclave. Vous n'êtes sûrement pas venu ici pour parler décoration, capitaine. Avez-vous réfléchi à mon offre ? Votre offre ? Je devrais vous confier toutes mes opérations, ainsi que ma flotte et mes hommes. Oh, fortune. Vous avez peut-être tué Gangplank et volé ce manoir, mais ça ne fait pas de vous ma reine. J'ai bien l'impression que Bilgewater n'a toujours pas de véritable régent. Laissez tomber. Je ne voudrais pas abîmer un si joli visage. Tant pis pour la diplomatie. En fait, Raffen, je commence à bien aimer.
Je prends ceci comme une reddition. Le syndicat ne te suivra jamais. Je préfère mourir, despote. Je vois. Qu'en est-il de vous, les garçons? Suivrez-vous votre capitaine? Eh bien, capitaine Thorn, ces pourparlers sont terminés. Le reste d'entre vous, bienvenue. Prouvez votre loyauté et vous serez récompensés. Tentez de me trahir ou de prononcer le nom de Gangplank, et vous rejoindrez votre ancien capitaine. Compris? Oui, capitaine. Un nouveau recrutement rondement mené, et presque sans accroc. Nous possédons tous les biens du syndicat, désormais. Mais aucun de leurs chefs. Pas encore. Même si je dois tuer tous les capitaines, du chantier naval jusqu'au quai abattoir, je leur ferai comprendre. Bilgewater appartient à Sarah Fortune. Raffen? Brume noire. Comment est-ce possible?
Fen, que s'est-il passé? Fuyez! Laissez-moi! Sarah, ils sont sortis de nulle part. Je... Ne parle pas, économise tes forces. Je pensais qu'on s'en était débarrassé à Port-Gry. Est-ce une nouvelle nuit de l'horreur? Je ne sais pas, mais si ça l'est, nous allons avoir besoin d'aide. Nous avons besoin d'Ilaoi. Frères et sœurs, un nouvel ennemi est apparu à Bilgewater. C'est la déesse Nagakaburos qui me l'a montré. Apôtre de la vérité, montre-le-nous! L'éventreur des abysses massacre des hommes chez eux et dans les rues. Il incarne la peur et l'inertie. Nous honorerons la mère serpent en le chassant et en restaurant le mouvement. Béni soit la déesse. Apôtre, je veux combattre à vos côtés. Je suis prêt. Es-tu prêt? Bats-toi avec tout ce que tu as, et la mère serpent te jugera digne. Si tu ne l'es pas, alors tu perdras la vie. Je me plie à sa volonté. Indigne. Il est fort, prêtresse. Il peut vivre. Si tel est le souhait de la déesse, viens. Notre ennemi nous attend. Ces rues sont pleines de mouvements. Nagakaburos nous sourit.
Pourquoi acceptez-vous ces étrangers, prêtresse? Les Pailangi ne respectent ni la déesse, ni les traditions Bourou. Ils créent leur propre voie et se battent pour vivre. Marche, apprends à leur côté. Amuse-toi même. Ils ont de nombreux désirs intéressants. Je t'ai vu t'amuser dans leur taverne, ma sœur. N'aie pas honte, je te rejoindrai la prochaine fois. Bien, suivons maintenant le rythme des rues. Ici, les hommes à l'intérieur ont mentionné le tueur. Nous attendrons dehors. Pas besoin de nous approcher des Pailangi. Ça en fera plus pour moi.